Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes pour ce samedi 13 février 2021, nous sommes plus précisément au Triomphal où le bus, plus de 300 bus, a le chef de l'État qui va inaugurer ce nouveau bus qui vient d'arriver. Nous sommes sur place ici, vous voyez déjà les plantes et déjà là bien décorées. Le président de la République sera là dans quelques minutes, vous allez suivre. Nous sommes très heureux de vous recevoir, vos messages, vos suggestions partout à travers le monde grâce à votre magazine d'actualité Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat. Pour le moment, Entrepreneuriat TV. Pour le moment, nous sommes au Triomphal. On attend l'arrivée du président de la République, ce nouveau lot de bus des Transco. On va suivre avec vous les temps forts de ces moments et on va y revenir. Restez connectés. En tout cas, pour le moment, c'est là les Zamboutumbo. Bon, on a fait un Yo, côté groupe, on bandit maman au fin. On bandit bêtise. On bandit bêtise. Alain. Oh,
président du bureau d'âge du Sénat, messieurs les premiers ministres, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le président du Conseil économique et social, excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, mesdames et messieurs distingués invités. En ce samedi 13 février 2021, à cette esplanade sur le boulevard Triomphal, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va pour le transfert public à la Société Nationale Transport. Ce geste du Président de la République marquera sans nul doute d'une pierre blanche la population congolaise, représentée ici par les Kinoises et Kinois venus nombreux assister à cette cérémonie. En effet, Transco, voudriez-vous, une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous impliquer personnellement pour faciliter à travers les responsables de toutes les entités qui interviennent sur la chaussée la mise en œuvre effective du plan directeur des transports de la ville de Kinshasa et des TK en cible à la modernisation du train à haut niveau de service, la gestion efficiente des intercessions, la réhabilitation des infrastructures routières et l'exploitation du transport fluvial, démarche qui assurerait une mobilité et une multi, à l'instar de grandes métropoles du monde. Excellences, Monsieur le Président de la République, la brièveté de mon propos est dictée par la contamination à la façon de faire du premier citoyen de la République démocratique du Congo, par le moins et agir plus. Merci, Excellences, pour cette dotation. L'exécutif provincial de Kinshasa est obligé d'accompagner cette vision salvatrice du gouvernement de la République et donc de régler la problématique du transport des Kinois par la réglementation et la régulation de ces secteurs. Quant aux recommandations, elles touchent au civisme de tous et à l'utilisation responsable de cette acquisition. Ce sont le bus de la République, acquis grâce aux impôts et redevances congolaises, grâce aussi à la volonté du chef de l'État, de tous les Kinois sans distinction. Alors, de grâce, ne les vandalisez pas, ne les détruisez pas. Agir autrement, c'est non seulement rendre un mauvais service aux Kinois, bénéficiaires et usagers de ces moyens de transport, mais aussi renvoyer en congé technique, si pas carrément en licenciement pour motif économique, vos frères et sœurs qui y travaillent. Et ici, je m'adresse particulièrement aux officiels, privés et ceux des transports en commun, en insistant que le civisme routier implique aussi le respect du nouveau code de la route, la cessation des mauvais dépassements, des mauvais stationnement, particulièrement au niveau des sauts de moutons. En ce qui concerne les sauts de moutons, une mauvaise utilisation de ces ouvrages nouvellement bâtis peut impacter négativement sur les services de dessiner un arrêté réglementant la circulation et le comportement des piétons, véhicules automoteurs, motocyclistes et autres engins sur les sauts de moutons pour sanctionner tous les fauteurs de troubles. Et vive la ville de Kinshasa, longue vie à Transco, je vous remercie. Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec expression et nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président du Conseil économique et social. Messieurs les institutions d'appui à la démocratie, messieurs les chefs des représentations diplomatiques, leurs excellences, messieurs les membres du gouvernement, son excellence, monsieur le ministre des Transports et Voies de communication, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général au transport, Monsieur le président du conseil d'administration de Transco, de Kassavubu, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Messieurs les mandataires des SMT, mes chers partenaires, nous voulons en premier lieu rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, pour ces jours événementiels, et nous allons assister à ce grand événement qui est la remise officielle par le président de la République, chef de l'État, du premier lot des nouveaux bus dotés à l'établissement public Transco. Ces bus sont pour la population. Nous voulons en profiter pour rendre un vibrant hommage, pour exprimer le remerciement au nom du conseil d'administration de Transco, au nom de l'intersyndicale de Transco, délégation syndicale, de l'ensemble. Je crois que les travailleurs qui sont là devraient vraiment l'exprimer parce qu'ils n'ont pas arrêté de chanter, de scander pendant tout le temps que nous avons reçu ces pistes depuis tout le temps. Le 30 février restera marqué dans les annales de l'histoire du pays et particulièrement des demandes de Transco. Parce que c'est le renouveau. L'investissement est d'une grande importance. C'est 440 bus acquis sur fonds propres. Et ces 440 bus ont un apport très significatif pour améliorer les conditions de mobilité de la population. Ça va commencer à Kinshasa, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Elle n'est pas ponctuelle. Ça ne va pas s'arrêter là. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre d'un plan bien élaboré qui va amener le déploiement des activités de Transco jusque dans les provinces. À ce jour, Transco opère encore à Kinshasa en réseau urbain. Il opère en réseau interurbain. Il relie quelques villes, nous couvrons 4 provinces. Mais avec ces nouveaux pas, nous allons faire avancer cet agenda des déploiements des Transco dans l'ensemble du pays. Son Excellence, le ministre des Transports et Voies de communication, d'annoncer toutes les grandes actions qui rentrent dans le cadre de ces plans. Nous voulons apprécier et saluer la vision sociale et économique du chef de l'État, président de la République, dans son credo, le peuple d'abord. Ses réalisations, ses actions, ça rentre dans le cadre de ces plans. Je me rappelle, lorsque le président Duc a pris ses fonctions, nous avons eu l'information directement qu'on a dit qu'il faut des bus pour Transco. Et le dossier a commencé. Et dans les parcours, ça n'a pas été facile parce que nous avons subi de plein fouet un fléau, ce qu'on appelle le monstre de cette pandémie de coronavirus, qui a causé beaucoup de dégâts dans les économies des pays. Mais ça n'a pas arrêté un seul instant cet engagement, cette volonté politique de donner à la population l'équipement qu'il lui faut pour qu'il puisse avoir
les conditions des transports. Et nous exprimons également notre remerciement au gouvernement qui a pu matérialiser cette vision. Alors, nous voyons aujourd'hui ces 330 bus, c'est en réalité 440. Les 110 seront acheminés bientôt de Boma à Kinshasa pour faire les paquets complets. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de ces bus que nous voyons? Ces bus sont solides. Ces bus sont l'effet d'une construction qui a été voulue par l'État congolais. Ce n'est pas des bus achetés pour être mis en service, exploités au pays. Ces bus à la hauteur de la vision des autorités du pays. Voilà pourquoi notre partenaire SMT a fait un effort de customisation pour répondre aux exigences du cahier technique, du cahier de charge de Transco. Nous pouvons mentionner quelques éléments dans ces bus. C'est important que la population, l'opinion les sache. Donc, tirant les expériences et les enseignements de tout ce qu'on a exploité comme bus de transport urbain, ces bus ont été construits sans qu'ils soient tropicalisés. Ça voudrait dire qu'ils répondent aux exigences des terrains, la topographie, le climat, le civisme et même l'anthropologie, dont la taille, tout est prise en compte. Voilà pourquoi il est monté sur un châssis solide d'alliage métallique et il a une puissance moteur de 260 chevaux. Il a un couple de puissance de 960 newtons, 900 newtons mètres. Cela lui permet de supporter plusieurs arrêts et redémarrages parce que le système de transport urbain, c'est stop and go. Donc on a tenu compte de tout cela. Il a des touches de modernité telles que, on va les citer pour faire bref, ils sont équipés des membres d'arrêt, donc les passagers font une demande. On aurait bien voulu voir tous les bus afficher les destinations de manière électronique, ce qui est une touche de modernité. Cela facilite l'orientation des passagers, de la population, en même temps la flexibilité dans l'exploitation. Ça voudrait dire que selon les créneaux horaires, on pourrait changer les destinations pour véhiculer les plus grandes masses, pour être optimal dans la façon de travailler et de rendre service à la population. Nous avons une autre touche, c'est les tourniquets. Ces bus sont équipés de tourniquets. Les tourniquets permettent à contrôler et à gérer l'entrée des passagers. Et en même temps, ça donne les statistiques des passagers et en termes de monitoring, la direction des Transco peut suivre sans difficulté le nombre de passagers, ce qui permet d'améliorer la maximisation des recettes. En même temps aussi, ça permet de juguler, si vous voulez, de réduire le nombre de passagers qui voyagent sans des titres valables. Ils sont pris en compte parce que les bus sont dotés de ventilateurs qui permettent de renouveler l'air, de capter et de refouler et de renouveler, ce qui nous met à l'abri de problèmes de transport de masse. Nous avons également, en dernier lieu, à mentionner que ces bus répondent aussi aux aspects, aux exigences civiques. Les portières ne peuvent pas rester ouvertes pendant le roulage. Donc si les portières sont ouvertes, les bus ne rouleront pas. Ça permet à ce que nous renforçons la discipline et le civisme dont le gouverneur de la ville province de Kinshasa vient de parler et sur lesquels il vient de marteler. Donc, nous avons réellement une grande fierté que d'avoir aujourd'hui cet investissement mis à la disposition des Transco. Transco a connu de nouveaux charrois, vient de sauver le transport collectif à Kinshasa et vient de sauver plus près de 3000 emplois. Non seulement qu'il va sauver près de 3000 emplois en péril, mais il va en créer des emplois directs et indirects. Parce que les parcs automobiles augmentant, il y aura réellement des emplois directs créés. Alors, nous devons aussi dire un mot sur les plans. En termes de cet investissement, cette réalisation de l'État congolais, de pouvoir utiliser les bus en toute responsabilité. Le même appel est lancé à mes collègues travailleurs de Transco. Nous devons
gérer et utiliser ces bus en bon père de famille. Les règlements d'entreprise devaient s'appliquer de manière rigoureuse quant à ce. À la population, nous demandons le respect des consignes de voyage. Cela n'est pas, ne sont conçus pas des contraintes, mais plutôt des éléments qui devaient nous aider à pérenniser et à faire durer ces bus dans son utilisation. Parce que tout est mis en œuvre pour que les services après-vente garantissent la stabilité de l'exploitation. Et même au niveau opérationnel, on aura des ateliers mobiles qui accompagnent ces projets, qui permettent aux interventions en cas de problème. Il y aura des dépanneuses puissantes pour ça. Nous allons clore notre propos en réitérant nos remerciements aux autorités du pays pour tout ce qu'ils ont fait, au président de la République pour son engagement et implication. Le projet a connu beaucoup de difficultés à cause de la situation économique, mais ça n'a pas été étouffé. Aujourd'hui, nous avons les bus. Nous allons prier Dieu de bénir la République démocratique du Congo, de bénir le président de la République, chef de l'État, de bénir les institutions de la République. Transco à l'avant, c'est le bien-être de la population. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Excellences, Mesdames et Messieurs, hier, le credo, le peuple d'abord, s'est fait chanter à la Congolaise de voie maritime. C'est vraiment si, avec l'acquisition d'une nouvelle drague, il s'est fait encore chanter à la SNCC avec l'acquisition de nouvelles voitures à voyageurs qui assurent les transports. Qui assurent les transports par voie ferroviaire de notre population dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le credo, le peuple d'abord, est chanté à Transco, ce dont nous vous remercions. Nous donnons rendez-vous pour faire retentir très bientôt le même son à Congo Airways avec l'acquisition de 4 avions neufs à la ligne maritime congolaise avec l'acquisition d'un bateau propre à l'entreprise. Et la liste n'est pas exhaustive. Et à ce jour, ce prix d'équilibre est de près de 2000 francs congolais. Transco réalise donc des pertes de près de 1500 francs par course par personne. Situation qui a retenu l'attention de votre gouvernement et des réponses appropriées et équilibrées sont envisagées. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter les dirigeants de Transco et à travers eux son personnel à ne pas considérer cette acquisition comme un point de chute, mais plutôt comme le début de challenge nouveau qui s'offre à vous. Envie de permettre à l'ensemble de notre population de circuler et de voyager dans de bonnes conditions. Je vous exhorte d'en faire un bon usage. Je suis Congo et son président. Et vive le ministère des Transports et Voies de Communication. Et vive Transco, je vous remercie. À cette étape de la cérémonie, et le DGAI de se mettre en place. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons très respectueusement à procéder à la remise officielle des bus. Thank you.
Monsieur le Président de la République. Thank you.
Vous avez dit, nous sommes presque à la fin, mais avant de nous quitter, prenez la réaction de ceux qui ont participé à cette cérémonie. Le chef de l'État est en train d'exécuter le mot d'ordre, n'est-ce pas, et qui caractérise son mandat, le peuple d'abord. Tout ce qu'il fait, c'est pour penser au bien-être du peuple. Merci pour votre fidélité. Nous étions très heureux de vous présenter ces nouveaux numéros des magazines d'actualité Top 243 News diffusés sur Entrepreneuriat TV. Restez connectés, abonnez-vous massivement, partagez nos liens avec vos proches. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Vous informez de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.